c'est un couple modèle. Un couple témoin. Comme les appartements. J'en ai marre, merde. C'est l'histoire d'un amour absolu. On était censé commencer une vraie vie de couple. Au lieu de ça, on vit toujours comme deux étudiants. Attends, que tu perds dans ta carrière d'écrivain, c'est 2 ans que tu dois percer. Et bah là, c'est moi qui te lâche, quoi. J'en peux plus. Non mais écoutez, faites comme si j'étais pas là. Donne-moi un peu de temps. Oh, je fais que ça, Léo, que c'est du temps. Laurence, c'est fait. Ce mois-ci, je t'ai laissé 320 messages. Vanessa aussi. J'ai envoyé 596 textos. Je suis troublée par un mec. Il s'appelle Léo. Voilà. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, hein, mais... Arrête tout de suite, il va t'emmener au théâtre, tu vas te faire chier. Bah écoute, Léo, c'est mort avec Laura, d'accord? Non, mais je plaisante pas, il me touche, ce mec. Mais moi aussi, je peux te toucher, là. Arrête! Il te faut passer à autre chose, il te faut faire un rebound. Merde! Après une rupture, il te faut immédiatement rebaiser. Il suffirait qu'elle tombe sur un énorme tocard et vous la récupérez en 24 heures chrono. Bon, bah on va voir ça, vous passez à côté. Bien sûr. Vous enlevez le pantalon pour vous mettre à quatre pattes. Pardon? Je vous ai fait 3 touches recto, je n'en ferai pas un 4e, au revoir. Merci moi, Max. Un verre... Déjeuner. Dîner. Oh là, c'est beaucoup mieux ça. Je veux qu'elle rentre chez elle, seule, déprimée, dégoûtée de la jante masculine. Ah, l'objectif ce soir, c'est que tu rentres pas seule chez toi, ou pas seule chez lui, je sais pas encore.